Copy. Allez, regardons ça de plus près. Alors, c'était dans la ligne droite. Faut en profiter, là. Oui, la McLaren a réussi une très belle manœuvre. Use the pace now. Copy. And save fuel from now, please save fuel from now. Confirm. Six laps to go. We don't want to overcook the tyres. Five laps to go. Revoyons ça. Alors, on est en train de passer dans le virage 4. Il y a un petit espace qui s'ouvre. Maximum pace. Copy. Big lifts. Max Verstappen franchit la ligne d'arrivée et remporte la victoire aujourd'hui. That's the checkered flag. That is the checkered flag. Et sur nos écrans, c'est Lando Norris qu'on voit retourner auprès de son écurie. Bon, eh bien, Max Verstappen peut ajouter un nouveau podium à son impressionnante collection. Quatre superbes victoires à son actif depuis le début de l'année et c'est toujours un plaisir d'y assister. F1 se sent certainement comme à la maison en Italie et il semblerait que ces trois-là se sentent aussi comme chez eux ici. Selon vous, quel est l'état d'esprit général chez McLaren en voyant ces résultats? Ils se sont pas trop mal débrouillés aujourd'hui, c'est un résultat tout à fait honorable. Mais ils doivent continuer à s'accrocher, ils ne peuvent pas se contenter de ce genre de résultat. Et c'est là-dessus que notre séjour à Imola se conclut. Pour le prochain Grand Prix, rejoignez-nous au fameux circuit urbain de Monaco. Préparez-vous pour l'une des manches les plus mémorables de la saison.